Et salut tout le monde, je m'appelle Aito, ça y est, le grand jour est enfin arrivé, vous l'apercevez actuellement à l'écran, nous sommes sur le DLC de Cyberpunk 2077, j'ai nommé Phantom Liberty. Nous allons donc pouvoir jeter un œil sur cette extension, qui va nous proposer une toute nouvelle zone à explorer, et je l'espère bien plus encore. Pour cela, j'ai décidé, en accord avec moi-même, de créer pour l'occasion un nouveau perso. J'ai vraiment longuement hésité à reprendre une de mes sauvegardes, et puis finalement pour cette vidéo « aperçue » entre guillemets, je préfère repartir à Night City avec un avatar flambant neuf. Je pense qu'un peu plus tard par contre, je reprendrai de mon côté le jeu depuis le début, pour pouvoir profiter au maximum du jeu de base et de son extension dans le même temps. Même si dans cette vidéo, on va le voir, on peut tout à fait commencer par le DLC qui s'imbrique parfaitement bien dans la trame du jeu, et là je tire mon chapeau aux développeurs. J'ai pris les devants en off, et j'ai créé mon nouveau personnage qui est une femme, une fois encore, car oui, j'aime beaucoup le travail réalisé ici par la comédienne de doublage Julie Drey. Dans ma partie initiale diffusée sur la chaîne, j'avais choisi de commencer avec la faction des nomades. Cette fois, nous allons partir sur la Corpo. Allez, on y va, on se lance directement dans le DLC Phantom Liberty. Ok, nous voici en jeu, je viens tout juste de recevoir un appel assez mystérieux d'une certaine Songbird qui m'a demandé de me rendre à la frontière de Dogtown, la nouvelle zone du DLC. Bonjour monsieur. Oh, ça, je te le ship, merci beaucoup. Un nouvel éclat. Alors, jetons un petit coup d'œil à l'environnement. C'est toujours aussi beau, toujours aussi coloré. Et je pense qu'il est grand temps de faire connaissance avec mon nouveau personnage. Alors, nous allons jeter un coup d'œil à sa fiche. D'accord, je peux augmenter sa constitution si je le souhaite. Et on va rajouter un point dans... Renaissance du Phénix. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Ok, là on est bon. Au niveau des armes en sa possession... Alors, fusil à double canon, mitraillette, pas de flingue, un camouflage optique, intéressant... Des lames mantis, sympa, et un fusil d'assaut. D'accord, très bien. On va tenter de trouver un moyen de transport. Et ben voilà, il n'y a qu'à demander. On a une petite moto qui nous attend. Oh yeah! Parfait ça! Alors je vais devoir me réhabituer... aux commandes, ça fait très très longtemps que je n'ai pas joué au jeu. Et là, je suis en totale découverte sur le DLC, donc... Mais bon, je pense que ça va revenir assez vite. Pour le moment, je n'ai qu'à suivre le marqueur GPS. Attention! Oulala, 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 attention, attention à moi. Je fais un petit peu n'importe quoi. C'est ici, je crois. Oui. Ok. Putain, mais poussez-vous! Allez! Pas moyen! Allez, plus pour vous faire foutre! NCPD, nous poursuivons une suspecte qui vient d'entrer à Dogtown! Voilà, on ne va pas faire de vagues. Allez! C'est peine perdue, tiens. On y va! Putain! Elle s'enfuit là! C'est Dogtown, oublie-la! Ouh, qu'est-ce qui se passe là? Ok, c'est bon. Comme d'hab, des caisses d'implants Zetatech. Alignées à longueur de Évidemment, elles entrent vides et ressortent pleines. Quoi? Tu cherches les emmerdes toi aussi? Dégage! J'ai dit, on passe pas. Alors, chercher Songbird, d'accord. Où est-elle? C'est toi? Oh, bonjour! Est-ce que c'est toi? Non. Ok, d'accord, très bien.
Oh mince, qu'est-ce qui se passe? Ouh! Oh putain! Ah, Johnny, le retour! Jusqu'à 10, récite ton mantra. Tout ce qui peut te calmer et t'aider à te stabiliser. Ton système nerveux a pris un gros coup et s'est détraqué. Les palpitations, les sueurs froides, tout ça, ça va passer. Oh, t'as aucune putain d'idée, ma vieille. C'est là que tu te trompes. Je sais que t'as une bombe à retardement dans la tête. Si je pouvais la désarmer maintenant, je le ferais sans hésiter. Tu te sentiras mieux d'ici quelques secondes. Elle est stylée aussi, elle. Ça pue la merde. Je crois qu'elle est en train de trafiquer la relique. Mais elle me... C'est vrai, Johnny. Mais ne t'en fais pas. Tout ira bien pour vous deux. Merde! Avec nous deux en même temps sur le protocole de la biopuce, V peut entrer en état de choc, comme tu viens de le voir. Je vais devoir te couper. C'est quoi ce délire? Ta sécurité et celle de V. Il fallait que je le fasse taire. Il t'entend, c'est juste qu'il peut plus te répondre. T'es un construct? Comme Johnny? Non, V. Je suis une Netrunner. Je me suis branchée au protocole cognitif de la relique pour te contacter. Je vois et j'entends la même chose que toi. Je me trouve en ce moment même à bord de Space Force One. Et je suis assise face à Rosalyn Myers, la présidente des nouveaux États-Unis d'Amérique. La présidente? Non, putain. Tu rigoles? Je suis on ne peut plus sérieuse. L'avion a été piraté. Il fait route vers Night City. On va nous faire atterrir en urgence à Dogtown d'ici peu. Nos communications sont coupées, brouillées probablement. La relique était ma seule option. À l'heure actuelle, tu es notre unique contact au sol. Je vous aide comment et combien de temps on a? Trop peu pour éviter d'atterrir à Dogtown, mais sûrement assez pour minimiser les pertes et sauver quelques vies. Et c'est là que tu entres en jeu. La vie et la sécurité de la présidente, c'est ça ta priorité. Elle survivra à l'atterrissage, mais pour ce qui est de Dogtown, j'en suis pas sûr. Tu vas devoir la faire sortir de l'avion, avant que quelqu'un d'autre le fasse. T'as dit que tu pouvais m'aider. Est-ce que c'est vrai? Je crois t'avoir montré un aperçu de mes capacités. C'était seulement un avant-goût. Je peux te soigner. Une bonne fois pour toutes. Pourquoi je te ferais confiance? Tu viens de me filer une crise il y a une minute. C'était un effet secondaire, et je m'en excuse. Si ça peut te réconforter, je saurais me faire pardonner. Tiens, vois ça comme une avance. Ta relique est bourrée de données corrompues. Je vais te débarrasser de tout ça, histoire de faire de la place pour des trucs vraiment utiles. Du genre un logiciel de combat Militech, du matos Premios. Ça traînait dans un coin. Ok, nouvel arbre d'avantage déverrouillé. Super. Merci, je suppose. C'est pas de la charité. J'ai besoin de toi au meilleur de ta forme. Bon, écoute, je t'ai seulement donné le squelette, mais le micro-logiciel est sophistiqué. Il apprendra avec toi. Il se perfectionnera si tu lui fournis des données. Genre des analyses de combat, des journaux dopés légendaires, des trucs qui feraient claquer des genoux le NCPD. Fouine un peu à Dogtown. Faudrait déjà que j'y entre. Tu peux oublier l'entrée principale. T'as pas d'autorisation pour entrer et j'ai pas le temps de t'en faire une fausse. Tu vas passer par la petite porte, en restant aussi discrète que possible. Faudrait pas que tu te fasses repérer ou scanner. Suppose. Allez, après toi. Je resterai à tes côtés. Du moins, autant que possible.
Super, super. Bon. Tu vois ce parking là, derrière la barrière? Les contrebandiers l'utilisaient avant. Maintenant, c'est à ton tour. Essaie d'entrer discrètement, en détournant l'attention des gardes, par exemple. Allez, trouve quelque chose. Ouais, du genre quoi? Je peux passer par là. Ok. Ouh, attention, zone hostile. Allez, on le neutralise, on ne le tue pas. On y va mollo mollo. Ok. À ton tour. C'est bon. Ok, je crois que j'ai été détecté, mais je suis pas sûr. Maintenant, entre. Cherche un point d'accès au net. Connecte-toi et je pourrai t'aider. Il faut que tu descendes au niveau inférieur. Cherche un moyen de descendre. À présent, cherche une salle de maintenance. Je suis sûr qu'il y aura une source d'alimentation à l'intérieur. Je vais quand même m'équiper d'une arme, on ne sait jamais. Ok, très bien. On m'avait dit que je pouvais également améliorer des trucs, non? Au niveau de la relique. Ah! D'accord. Camouflage optique, ok, superbe. J'achète ça. 0 points de relique, d'accord. Ok, très bien. Impec. J'ai un point d'accès, mais pas de courant. Regarde si tu peux le rétablir, parce que sans ça, je te serais d'aucune utilité. Bien, bien, bien. On va avancer tranquillement. Là, on a des trucs qui traînent. Ok. J'y vois pas grand chose par contre. J'ai allumé un truc. Bien joué, V. Pile ce qu'il nous fallait. Ok, cool. Ok, c'est bon. Parfait. J'infiltre le système. Des protocoles anciens qui datent carrément de l'âge de pierre, des données corrompues. Donne-moi une minute, je dois me connecter à l'un de nos satellites.
Voyons voir quel réseau actif à Dogtown est relié à cette infrastructure. Ok, plus qu'à installer une porte dérobée. Et voilà, c'est prêt. Ok, par où je passe, moi? Y a pas une porte par ici? De là, je te guiderai jusqu'au parking. Ouais, moi je veux bien, mais je ne sais pas par où passer, là. C'est quoi ce délire, là? Je peux pas passer, moi. Ok, bon, on va pas s'exciter. Il y a forcément un moyen. Oui, bah tout simplement, en passant par là. attends. Bon, ok. D'abord, t'as piraté la relique. Ensuite, t'as foutu une muselière à Johnny et maintenant tu ramènes un vieux tas de ferraille à la vie. Ça se fait pas juste comme ça. C'est qui t'a formé? B, je suis analyste pour les renseignements des NUSA, alors ceux qui m'ont formé sont les meilleurs. J'avais environ 13 ans quand un charcutoc près de chez moi m'a vendu une vieille console pourrie. J'ai jamais vraiment quitté le net depuis. Ils ont fini par me remarquer et me prendre sous leur aile. J'ai l'impression que ta petite histoire est pas complète. Je l'imagine plus complexe que ça. Peut-être bien, ouais. Waouh. Désolé d'avance, mais faut que je demande. Le casse du Konpeki Plaza. Pourquoi? Pour tout un tas de raisons. Comme quoi? Écoute, le prends pas mal, mais... T'as pas envie d'en parler. Tu regrettes? C'est pas le moment, Songbird. La VF est vraiment excellente. Hein. Moi, je suis vraiment fan. Hop, par là, qu'est-ce qu'on a? Allez, monte! Voilà. Toujours en vie? Je crois. Oula, attention! Ah, je suis tombé dans un trou. Il ne fallait pas. D'accord. Bah écoutez, ce n'est pas très grave. On va recommencer au dernier checkpoint. On n'y voit pas grand chose, hein, c'est ça le problème. Et je ne sais pas si je dispose d'une lampe. Bon, là, il y a un peu de matos. Ok, pas mal. Par là, ça a l'air de passer. Là, faut que t'attendes un peu. Mais au fait, on doit s'en lasser, non? De se traîner un rocker boy défraîchi partout. Ça a l'air épuisant. J'ai entendu parler d'un Chung qui a fini avec une lame dans la plaque faciale après un boulot. Il l'a gardée, en disant que ça lui donnait du caractère. La morale de cette histoire, on peut vraiment s'habituer à tout. Pas tout, non. Et c'est pas le cas pour tout le monde.
Ok. Ok, je dois monter. Visiblement, c'est par là que ça se passe. Allez, grimpe. Sacré parcours, hein, quand même. Oh putain! Ouh. V, la présidente Myers te souhaite bonne chance. Oh, c'est gentil. Comment elle va? C'est gentil de ta part de demander. Je lui ai fait part de notre plan. Elle m'a calmement répondu, tenez-moi informé. Du Rosaline tout craché. Elle est assise tranquillement à feuilleter son agenda et à repousser ses réunions, un verre de gin à la main. Elle est imperturbable. Ok, c'est cool. Oh putain! Ok. Je suis plus très loin apparemment. Comment je vais faire là? On n'a rien à scanner par ici peut-être. Ouais. Est-ce que je peux passer par là? Ouais, c'est bon. Et à présent, ici peut-être? Oui. Voilà. Comme dans le métro de la ville. Parfait. Ça me rappelle mes débuts. Je cherchais des endroits comme ça. Je configurais une dérivation, je me connectais et j'allais sur le net clandestinement. Je récupérais les contrats les plus risqués et j'apprenais au fur et à mesure. Souvent à la dure. Mais parfois, de temps en temps, il y avait de jolis coups. Genre, t'as un exemple qui a fait le buzz sur les forums? Biotechnica, en 63 ou 64. Le piratage officieux d'une usine de fermentation dans l'Oregon. Ça te parle? Sandek, c'était toi. Y'a que les plus grands qui atteignent ce niveau. Genre Spider Murphy, Bart Moss. Mais Songbird? Non. Ça... Oh là là, mais quelle ambiance! Oh, j'adore! Vas-y, monte dans l'ascenseur. Je m'occupe du reste. Tu seras bientôt à Dogtown. Tiens-toi à distance des hommes d'Hansen. En parlant de Kurt Hansen, qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur lui? Hansen était un officier de Militech. Aux dernières heures de la guerre d'unification, son unité avait pour ordre de prendre Night City. Ils ont réussi à s'emparer d'un coin de cette partie sud de la ville, et ils y sont restés. À la démobilisation, ils ont refusé de déposer les armes. Au lieu de ça, ils ont fondé Dogtown. Ouais, donc en gros, ils ont échangé un conflit pour un autre. Qu'elle soit chaude ou froide, rien ne vaut une bonne guerre pour s'enrichir. Monte les escaliers et traverse la réserve. Tu devrais déboucher sur le marché. Est-ce que par là on aurait des petites choses à récupérer? Fusil d'assaut, veste tactique, faites votre choix. Et si vous trouvez pas ça assez excitant, alors venez.
venez jeter un œil à l'arrière-boutique. Waouh. Ah là, je dis oui. Là, on est vraiment dans du cyberpunk. Oh, waouh, waouh. Superbe. Dépêchez-vous avant qu'il soit trop tard. Ah, quelle ambiance. Ah, c'est parfait, ça. On raconte des tas d'histoires sur cet endroit. Pour les vendeurs de kabuki, c'est une putain de légende. On dirait que la légende disait vrai. Tu vois ces stands? C'est juste la partie émergée d'un iceberg géant. Continue à plonger et tu risques de trouver une vérité bien plus sombre. Vraiment dégueulasse. Les plus grosses ventes se font derrière des portes closes. Au stade de Dogtown, les bons acheteurs rencontrent les bons vendeurs. C'est Ravière qui m'envoie. Il paraît que vous avez un boulot pour moi. Je connais pas de Ravière. Oh, j'ai envie de tout visiter là. Intéressant. Tu l'as payé combien? Quoi? Cette recommandation? C'est par ici que ça se passe. Pas très. Ah, c'est pas important. Il m'a dit que vous... Drôle d'endroit pour ouvrir une clinique. Oh, ça laisse une chance à mes concurrents. Je suis pas sûr de suivre. Mettez un gars avec mon talent dans un beau bureau tout neuf et tous les autres charcutocs se retrouveront sur la paille. C'est la base du business. Mais sérieusement, des toilettes? C'est un endroit comme un autre. Excellent. Ah, ça fourmille de vie, j'adore. Oh là là. On a des casques de la Maxtac comme neuf. Ce qui est arrivé à leurs anciens propriétaires, on s'en branle. Alors là-haut, qu'est-ce qu'on trouve? Si vous entendez ceci, c'est que vous êtes au bon endroit. Dépêchez-vous. Le NCPD, les guerres de gang, pas de ça à Dogtown. Les taxes, qu'est-ce qu'on en foutrait? À Dogtown, c'est moi qui protège mes affaires. Quand vous obéissez à mes règles, je crois que le groupe électrogène est un bon carburant comme une. Et pourquoi je te paie, putain? Pour que ça corresponde. Regarde! Weźmy kredyt. Kończymy ze stadionem, idziemy w legalne rozwiązanie. Produkcja na szeroką skalę. C'est vraiment génial, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Je suis totalement conquis par ce début d'aventure dans le DLC là, c'est. Waouh! Ça m'en met plein les yeux! Oh là là, regardez-moi ça un petit peu, les détails sur les statues. C'est excellent. V, je voulais te demander à quel point c'est grave pour toi. L'heure tourne et pas qu'un peu. La relique aura ma peau et ça risque d'arriver plus tôt que prévu. Mais t'es encore là, à chercher un moyen de survivre, à te battre. Tu serais prête à tout donner pour avoir une deuxième chance? Ouais, clairement. Allez, haut les cœurs, on est ensemble dans cette galère. C'est pas faux. Il y a tellement de trucs à regarder. Oh là là, c'est génial. Tourelle tout droit sortie de l'usine, jamais servi. Et tout porte le logo Militech, complètement réglo. Les papiers? Tout est impeccable. Putain, c'est trop beau pour être vrai, Choum. Comment elle a trouvé tout ça? C'est complètement fou ce qu'on voit là. Oh, j'ai envie de regarder le moindre petit détail là, je pourrais y passer des heures. Je suis en train de planer. Ah, là j'ai vu un truc. Hop, on prend ça. T'as 2 mois de retard sur le loyer. Alors, où tu vas trouver les aides? C'est réglé. Tu te fous de moi? Tu crois qu'il suffit de 5 minutes et d'une poignée de main pour s'offrir la protection de Hansen? Rien à branler de la poignée de main. Je suis dans la merde jusqu'au cou.
seule chose gratuite dans ce monde, c'est les branlées. Tu vas finir dans le caniveau sans chrome. Bon allez, il est temps pour toi de grimper jusqu'au toit. Hein? Pourquoi? Bah, pour la vue. Et je plaisante pas, parce que de là-haut, tu pourras littéralement voir où on va atterrir. Bien. Là, il y a un truc. Allez, on prend tout. On a des choses qui traînent ici. Hop. Je ne vais absolument pas me priver, hein. C'est gratuit. Tac. Allez, on grimpe par là. Moi, je veux profiter de la belle vue, là. L'ascenseur, il est où, l'ascenseur? C'est quoi, l'ascenseur? Merde! Un court-circuit! J'ai plus accès! Aïe! Et maintenant? Essaie de redémarrer le générateur. Ouais? Il est où, le générateur? Il est en dessous. Aïe, aïe, aïe. Ah non, il était en haut. Oh là là. Attendez voir. Oh. Oh, j'avais pas vu. C'est là que ça se passe. Tire la gueule ou quoi? Je déteste les contretemps de ce genre. Quand les choses ne marchent pas comme prévu. Ah. Toute la tech est à chier par ici. Enfin, monte. L'ascenseur va vers le toit. Pour info, on s'apprête à entrer dans l'espace aérien de Night City. La présidente tient le coup? Eh ben, elle range ses documents froidement et calmement. Mais c'est la troisième ou quatrième fois, donc je suis clairement pas la seule à être stressée. Allez, grimpe. Ok, pour l'instant, pas de problème. Je vois que t'es arrivé. Parfait. Et maintenant? Le calme avant la tempête. Tu vois ça? C'est nous. Space Force One. On amorce notre descente. L'atterrissage va être... Oh merde. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouf. Oh putain de merde! Ça tombe bien parce que moi je gère rien du tout, moi. Oh, 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 c'est énorme. Waouh, magnifique cette intro. Mais écoutez, je pense qu'il est grand temps de s'arrêter là pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Allez, ciao.